Mais tu peux au contraire te mettre devant, je pense que ce serait bien pour le Ah, ça va être bien, je suis. Tu veux dire bonjour à il y en a, ah, il y en a une en France, il y en a une à Cholet. Ah. Mais les, comme ça a mieux marché en Allemagne au départ, beaucoup mieux, il y en a. En France, il n'y a pas beaucoup de désastres. Comment ça expliquer que ça ait plus marché en Allemagne au début? C'est normal, l'Allemagne est plus riche, a plus d'habitants, s'intéresse plus à l'art contemporain, et peut-être avec plus d'ouverture, parce qu'il ne faut pas croire que ça, en Allemagne, c'est ce qui se voit le plus. Non, l'expressionnisme allemand passe bien avant ça, mais il y a un intérêt... pour ces œuvres des années 50, ils avaient trouvé un intérêt en Allemagne qu'il n'y avait pas en France. Oui. En France, c'est venu 10-15 ans après, mais les œuvres y étaient plus. Mais la France, c'est toujours comme ça, c'est toujours 10-15 ans après. Mais je crois que si ça marche mieux en Allemagne aussi, c'est que je ne parle pas allemand et que les gens me prennent plus au sérieux. En France, avec des émissions comme ça, je vais faire l'intéressant, le rigolo, et ça me fera perdre beaucoup de clients. Qui seront ravis de me voir, mais qui vont dire non pour un rigolo, c'est trop cher. Oui, pour un rigolo, mais bon, il fait quand même très sérieux dans son travail, le rigolo. Moi, j'arrive à me demander. Oui, non, c'est ce que je disais à madame. Oui. C'est que, alors vraiment, plus vous avez travaillé, cette somme de travail, le système de mathématiques, vous avez mis à l'épreuve, etc. Écoutez, maintenant, c'est les ratés. Alors, Oui, mais si vous voulez... Pour moi, ces œuvres uniformément réparties, c'était une provocation. Mm. C'était pas vraiment sérieux. Mm. C'était peut-être que je vois ça maintenant. Mais si vous voulez, si on se penche un peu sur mon passé, des œuvres comme par exemple comme ça, qui, d'ailleurs, c'est très poli là, qui disait seulement quatre mots, c'était « cu, con, non et nul » en 67. C'était quand même pas du constructivisme, de l'art concret, plein de transcendance. On était déjà dans le dépassement de... Et pour moi, de faire un tableau avec l'annuaire du téléphone en 61, c'était pas non plus... C'est ça, mais il y a toujours cette petite dose instillée petit à petit. Ah oui, qui devient énorme. Voilà, c'est ça que je dis. La pièce. Ça me plaît beaucoup parce que la base de cet art répétitif que j'ai eu. C'est pas Mondrian, quoique à la fin de sa vie, les boogie-woogie, ça a commencé. Non, c'est au Musée de l'Homme que j'ai trouvé. Et moi, j'aime bien ce truc-là de 49, où je m'étais fait un tampon et où on retrouve des motifs que j'ai fait après. Et c'est vraiment avec les tapas, par exemple, les tapas océaniens, ces espèces de feutres qu'ils font, et où il trempe, ça c'est typiquement adapté des tapas où il y a des mains qu'on trempe dans la peinture que l'on met et puis des branchages et des formes géométriques et là celui-là on se le garde, il m'appartient encore. Ce qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec les peintures des cavernes, avec le paléolithique pour moi, si je me plonge dans les années 50, ma petite originalité, c'était le all-over, si vous voulez. C'est pas le carré de Malevitch, comme ça, ou la structure classique, ou la transcendance, mais non, c'est le vide, c'était le... Et ça, je l'ai trouvé chez mes bons sauvages, là, mes trames, enfin, des choses comme ça, C'est aussi le vide, la chose qui se multiplie de façon où j'accepte tout ce qu'elle fait. Là, il y a un petit Stella aussi. Mais la pièce principale, c'est celle-là. Et malheureusement, elle n'est bien sûr pas en France. Elle est en Allemagne. Elle est à Mönchengladbach. J'ai toute une salle à Mönchengladbach. Celle-là était au Kröller-Müller, qui est
un merveilleux parc de sculptures. Là, c'est à Stuttgart. Et alors, souvent, on est déçu parce que les gens vont faire un pèlerinage et puis ils ne trouvent rien parce que les musées ont tellement plus de pièces dans leurs réserves que dans les salles. Celle-là est de 53, j'en étais fier aussi. Ça, c'est encore à nous. Ah, ça, c'est à Pompidou. Ouais. Ça, c'est à Pompidou aussi. C'est de quand, ça? C'est de 56. Et il est plus systématique que Stella, parce qu'il n'y a que trois couleurs, là. Et il y a le bleu, jaune, rouge de primaire, ça ne veut rien dire, mais d'impression. Mm-hmm. Et là, il y a des petites lignes. Oui. Et je ne les mets pas. Je ne l'aimais pas parce que mes lignes n'étaient pas assez bien foutues. Après, quand j'ai eu un assistant, mais je ne faisais plus de lignes. Ah ben non, c'était l'assistant qui l'était. Ah ben non, toute ma production, très très vite. Non, non, mais c'est quand il y avait beaucoup de lignes, comme là, c'est moi qui les faisais. Et quand enfin j'ai pris un assistant, je faisais des choses beaucoup plus simples. Bien sûr. Mais dans ce qui se passe plus tard, si quelquefois on trouve une œuvre qui ne ressemble pas aux autres, si on s'y intéresse encore à moi, qui ne ressemble pas aux autres, qui est mal foutu, on dit « Ah, c'est pas de Morellet ». Et ça sera ce que j'ai fait moi-même quand mon assistant était malade. Alors, des trucs comme ça, ça ne pousse pas à la vente. Non, mais en même temps, ça rentre complètement dans votre système de travail. C'est voilà. C'est l'accident. Et là, c'est les Geometry, TRI. J'ai eu un cours avec Serge Moine, au Louvre. Ah, on a dîné avec lui hier soir, et avec Nifer. L'autre, un peu plus vieux que moi, c'est dur à trouver maintenant. Hein. Et je me souviens de la jubilation qu'il avait à nous parler de cette série qui était toute fraîche. Moi, c'était en 85. Oui, là, j'ai eu très peur parce que tous ceux qui ne s'intéressaient pas à moi, qui trouvaient ça emmerdant et tout, c'est-à-dire 99% des amateurs d'art, ont trouvé ça bien. Mm. Ça a été terrible, terrible. Oui, ça, oui, m'a foutu ça m'a foutu un coup. Et j'ai fait, dans ces cas-là, je fais un catalogue raisonné et j'ai juré de ne plus en faire que pour des cadeaux de mariage. Et j'ai tenu, sauf pour le musée de Toulouse qui en a voulu une grande. Ouais. J'ai fait une grande géométrie, la plus grande géométrie, et qui s'appelle Parjure. Et bah oui, parce que non, mais c'est pire, il s'appelle Parjure numéro 1. Ah. Vous laissez la porte ouverte. Je voulais suggérer que j'ai pas fait. C'était pour être encore plus parjure. Voilà, là on a fait les 6 minutes, non? Et alors ce que j'aime bien, c'est dans des œuvres comme ça, qui jouent avec la nature, c'est que c'est pas immortel. Cette branche est morte maintenant. Oui. Alors on a rectifié, j'ai changé la sculpture un peu, je l'ai grossi. Mais autrement, j'en ai une autre. Est-ce qu'elle est là? Carrie Inect ne vous a jamais commandé de pièce pour le domaine? Il y a une pièce énorme, ma pauvre dame. Pardon. Il y a le naufrage de Malevitch. C'est un carré qui fait, je ne sais pas, 400 mètres de côté, mais qui a sombré dans les temps, et il y a un angle qui est au fond, et les trois autres sont sur la berge. D'accord. Et avec suffisamment d'imagination, ils sont placés de telle façon qu'on peut reconstituer, et ils plongent dans l'eau. Oui. Non, je suis désolée, alors. Non, mais il faut, là, les deux très grands artistes, mais qui ne sont pas connus en France, comme beaucoup, on dit qu'on est injuste avec nos artistes français à l'étranger, mais c'est bien pareil. Là, il y a Gianni Colombo, qui était plus jeune que moi, qui est mort, et là, Gerhard von Greibnitz, qui était un artiste allemand que j'aimais beaucoup, qui est mort aussi. Et moi tout genou. Oui, moitié mort. Ça vous obsède, dites-moi. Là, voilà Edward Kelly, qui n'est pas mort non plus, qui était un grand ami dans les années 50. Ah, vous l'avez connu en même temps que... Ah, ben oui, bien. Oui. Bien, il faisait partie des boursiers américains, il y avait pas mal, et on était ses copains. Il y avait Jack Youngerman, qui était encore plus copain, un autre Américain qui était marié à Delphine Seyrig, l'artiste, et là, c'est en 60 à New York, mais c'est un type très, très intéressant et très pris dans son travail. Je l'ai rencontré une fois quand il avait montré chez Templon. Alors là, on a
Donc on imagine le carré comme ça, l'autre l'anglais dedans, et il y a les trois angles. Ah, c'est beau, demander beaucoup aux spectateurs de reconstituer ça. Mais installer, ça coûte moins cher que le vrai carré qu'aurait fait Malevitch. Oui, puis ça aurait été peut-être moins. Non, ça aussi, c'est dans le genre pas sérieux, puisque c'est mon tableau de tout à l'heure, les trois lignes verticales, trois lignes horizontales de tout à l'heure. Là, recopié par des enfants de moins de 4 ans. Et donc, j'ai fait une série. Mon fils avait une copine qui avait un enfant de moins de 4 ans. Ouais. Et je lui ai demandé pour voir. Et il était à Bali, dans un milieu plutôt occidental d'ailleurs. Et il recopier mon truc. Mm-hmm. Je voulais voir. Ouais. Mais alors, il a fait ça en classe. La maîtresse a montré. Et toute la classe s'est mise à me copier. Et ça a été fait en France. C'est la petite fille de Marie-Laure Bernadin, ouais. Et de Bernard Marcadet, qui n'était pas très doué là, puisqu'au lieu de mettre trois verticales, il y en avait quatre. Mais c'est un des plus jolis qu'on s'est gardé. Ah oui, puis quelle chance d'avoir une œuvre faite d'après son dessin pour une petite. Alors, le premier petit garçon qui était à Bali, là, qui avait fait un copie, j'avais réalisé le néon. Je l'ai revu, je ne sais pas, 4-5 ans après, il devait avoir 8 ans, 7-8 ans. Et je lui ai dit, tu sais, là où j'ai fait après ton dessin, je l'ai vendu. Il dit, mais pourquoi? Je me suis dit, à cet âge, qu'est-ce qui peut le justifier? Mais j'ai dit, c'est pour avoir de l'argent. Ah bon? Il était très content. J'avais tout trouvé, le petite chose qui la poétique, mais ça, je peux le demander à Julie. Moi, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Peux le plan. Voilà. Est-ce qu'ils apparaissent bien ceux-là? C'est pas terrible. Là, c'est peut-être mieux. Oui, la photogravure est meilleure. Et puis, il y a une succession assez amusante. Hein. Donc, en 53, j'ai fait cette œuvre. En 64, j'ai... Là, avec le groupe de recherche d'art visuel, on avait fait des expositions très basées sur la participation du spectateur. Et donc, j'avais en fait en néon mon œuvre de 53, et le spectateur remuait l'eau dans laquelle ça se reflétait. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, comme cette chose a été vendue, la cabane où on faisait ça, j'ai pris des photos et j'ai fait faire par mon fabricant de néons des néons d'après ça. D'après, d'accord, l'image. Oui, et ça en 81, en 2001, pardon, ouais. Et ça s'appelait Après réflexion. Alors, dans le même esprit, donc il y a eu les dessins d'enfants d'après ça. On a été alors c'était pas ça qu'on cherchait, de tableaux de 80 par 80 cm et où il y avait 16 L comme ça, un L, chaque L est formé de 4 carrés, 1, 2, 3, 4, et le jeu c'était mes 16 carrés de les faire tenir sans qu'ils dépassent, sans qu'il y ait un manque. Et là dernièrement j'ai repris ça, et donc je me suis dit, au lieu de 16, je vais mettre 9 L, ils seront plus grands, oui. Et les 9 L font la même surface que mon carré, et ça marche pas. Il y a toujours ou un qui ressort et un manque, oui. Et cette série, je l'ai appelée ratée, et elle est là derrière. Oui. Vous voulez voir? Oui, on va aller voir. Je vais faire rentrer mes 9 L dans cette surface. Et les 9 L ont exactement la même surface que mon carré du fond. C'est impossible. Donc là, il y a deux manques. On retrouve, on voit bien que c'est la même surface. Parce que ces deux manques-là, on les retrouve en saillie. Là, il y a ça qui manque. On le retrouve là. Et ici, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un qui manque et il y en a un qui va. Donc c'est absolument impossible.
Et dans, en même temps, tout ça, c'est venu de, d'un dessin, mais ça fait rien. Oui, un dessin du 18e siècle que j'ai trouvé dans un livre de récréation mathématique de, du 18e siècle, et où on fait le chemin du cavalier. Et ça, c'est le dessin d'un anonyme du 18e siècle, c'était dans mon livre, et ça, on retrouve le même L. Le même L, c'est le chemin du cavalier, vous savez, qui fait un L comme ça. Un, deux, et puis le 3, vous le trouvez là, 3, etc. Le 4, vous le trouvez là. Et alors, c'est difficile, il faut que ça balaye toutes les pièces de l'échiquier sans passer deux fois sur la même. Et alors, mon lecteur anonyme, il avait trouvé la solution où le 64 se trouve à un trajet de cavalier du 1. Ah, magnifique. Et c'est un petit papier. Et alors, pendant que mon assistant était en vacances, alors ça, je l'ai fait. J'ai pris un pinceau que j'avais laissé tomber depuis 40 ans avec le rétroprojecteur et je me suis tapé tout dessus. Et alors là, mon lecteur, mon traditionnel, traditionnel, je ne sais pas pourquoi, mon lecteur acteur avait fait ce dessin pour être sûr de ne pas manquer des choses. Alors il y a certaines lignes même où il a fait une petite barre comme ça parce qu'il s'est gouré. Et c'était tout. Vous savez ce que c'est, peut être touchant de suivre. Alors bien sûr ça change tout à fait. On a l'impression d'une ferraille rouillée alors que c'est un trait de plume. Et c'est toute ma série de L. Et alors là, si vous voulez, un autre exemple, ça c'est récent et c'est fait d'après mes 16 L. Là, vous avez 7 L, vous voyez, ils tiennent dans un carré. Alors, au lieu de faire le L, comme on a vu, comme un jeu de construction, c'est juste l'épine dorsale du L qui est en néon. Donc là, on a toute une série qui va de 57 à avant-hier. Et pour 6 minutes, ça peut être très bien. Oui, je voudrais juste que vous me disiez un petit mot quand même sur... Dites-moi lequel. Sur la dérision, sur l'humour, sur la jubilation de ce système mathématique. Oui, enfin, moi, c'est... Jubilation de votre part. D'abord, quand on est vieux, moche et malade, si on est sérieux en plus, ça, c'est pas possible. Donc, ça, c'est une raison. Mais je suis... Je trouve un grand plaisir à jouer avec l'absurde et la précision. C'était une maladie un peu française, on l'a appelée rigoureux rigolard, et que vous retrouvez Alphonse Allais, qui a été, que mon père adorait, qui a été mon philosophe, et bien sûr Marcel Duchamp, bien Éric Satie. Il y a toute une branche. Oui, oui, mais il était un peu sérieux quand même, on le prend, mais il y a des artistes, mettons, comme Bertrand Lavier, qui aussi ont ce côté que je crois assez français d'aimer une précision, une retenue et l'absurde en même temps. Et moi, ça me donne des grandes joies de voir ces choses-là chez les autres, et j'espère que... Est-ce que dans la jeune génération... Attendez, la jeune génération, maintenant, l'art dit abstrait, tout ça, c'est fini. Ce cul-de-sac merveilleux, ce suicide là, élitaire, maintenant, tout revient au réalisme, à la photo, au film, la vidéo, des installations. C'est vraiment la réalité, son nombril, mais ça peut être passionnant. Mais ce grand chemin qui s'est trouvé forcément un cul-de-sac avec, pour moi, les monochromes, l'art conceptuel, moi-même dans un autre cul-de-sac. Enfin, j'ai écrit un texte, le texte de ma vie là-dessus. C'est fini et je pense que peut-être encore, il y en aura encore de trouver. Là je voyais comme on avait la main, que je crois, c'est cette nuit j'ai pensé, avait utilisé de la merde pour peindre. Manzoni, qui était un ami, l'a mise en boîte. Et là, il y a maintenant cet artiste belge, hollandais,
que j'aime beaucoup, qui... La machine à faire la mer. Oui, il me dévoile. Alors là, on peut encore trouver quelque chose là-dedans. Mais je pense que tout l'intérêt des jeunes générations qui viennent maintenant, c'est beaucoup plus le réalisme du numérique, de la vidéo. Justement, le numérique peut apporter un système. Donc, non, il amène le réalisme. Mm. C'est ça qu'on déforme un peu. Ouais. Mais il y aura plus cette différence terrible qu'il pouvait y avoir entre Meissonier et Picabias, si vous voulez. Et maintenant, entre un film d'avant-garde qu'on peut voir dans des salles de cinéma et une vidéo qu'on peut voir dans une galerie, il n'y a plus un fossé énorme. Mais c'est très bien. Parce que depuis plus d'un siècle, on pleurait que l'art auquel j'appartiens, ou appartient tout ça, était élitaire. Et c'est vrai, jamais populaire. D'ailleurs, dès que le peuple arrivait un peu, hop, les artistes allaient à une provocation de plus. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ça. Mais on pleurait que ça soit élitaire. Maintenant, il n'y aura plus ce fossé qu'il y a eu. Ce fossé qu'il y a eu quand la photo est arrivée à la fin du 19e, et on s'est dit ça tue le réalisme, en plus les pompiers d'un côté, et on a quitté le réalisme pour donc vers l'abstrait, vers le rien. Et alors maintenant on vient, et maintenant le réalisme vraiment, où on dit ça c'est pas de l'art, et qui demain donnera nos génies, amènera les futurs génies, c'est la télé-réalité. Là maintenant, le réalisme, il faut qu'il soit immédiat, et c'est ça, je crois, qui va être nos génies demain, la télé-réalité. Je ne serai pas là pour le voir, vous me le direz quand vous me rejoindrez. Je vous téléphonerai. C'est si plein de chefs-d'œuvre comme ça, et d'essayer d'être trouver une originalité dans un truc qu'on accroche au-dessus d'un divan, c'est plus possible. Alors qu'avec une vidéo, il y a tout. On peut même la projeter au-dessus du divan, la vidéo. Et puis ça salit moins les mains quand même que la peinture. Et ça sent pas mauvais quand ça sèche tout de suite. Ça fait si longtemps qu'il y a des réserves, hein, même si... puis ça, il y en aura toujours. On me disait, mais il y a toujours des jeunes qui font de la peinture abstraite. Je dis oui, mais si vous allez à Montmartre, il y a toujours des pas très vieux qui font de l'impressionnisme aussi. Oui, tout à fait. C'est tout pas, ça ne va pas s'arrêter pile. Non, mais encore faut-il que ce soit. Non, mais c'est amusant. Moi-même, on avait fait le groupe de recherche Art Visuel. C'était... Oui, avec un nom comme ça, c'était... Au début, c'était le centre de recherche, mais c'était un peu prétentieux. Non, mais notre truc, c'était de faire participer le spectateur, donc de rendre notre art élitaire populaire, et ça ne marchait pas du tout. Non, parce que c'était vraiment très particulier dans ces années 60. Oui, et puis les... Non, on pouvait... De prendre des choses vraiment qui rentraient dans une histoire de l'art assez bizarre, de provocation, et puis de se dire ça, ah ben, mais le bon peuple, il n'aime pas ça, alors on va le mettre sur le trottoir, on va leur faire jouer. On trouve toujours quelques dizaines de gens pour ça, mais ça, alors que... Maintenant, nos trucs avec participation, vous parlez qu'il y a mieux avec tous les jeux, les jeux vidéo qui les passionnent et qui... Et nous, de remuer ma bassine pour voir le néon faire ça, ils en ont que foutre. Mais non, c'est pas vrai, ça passionne toujours tout le monde, les enfants, les premiers. Non, les enfants, avant qu'ils aient pu faire les jeux vidéo, mais après, c'est... Oui. Ah oui, d'accord, on peut encore avoir une clientèle de moins de 4 ans. Donc, bon, pour cibler cette clientèle, il faut prendre quand même les enfants dont les parents sont un peu riches pour pouvoir vendre pour les chambres d'enfants des moins de 4 ans. C'est un créneau. Voilà. Oui, j'ai fait pendant
j'étais industriel avec fabricant des jouets et des voitures d'enfants. Comme les ailes, par exemple, que de trop papillonner, bien sûr. Non, donc voilà, et puis on va aller... Mais si vous voulez, alors ça dure pas longtemps, des coups, des œuvres fixes, il y a un autre néon que j'aime bien, là, c'est Hervé Bise, Art Attitude. Et puis il y a la poutre, là, qui... Ça va être terrible, parce que... j'avais tout prévu, l'endroit avec Catherine Isser. Et puis il y a qu'une chose, c'est l'éclairage là. Ça va être, il va y avoir une ombre s'il y a un projecteur, deux s'il y a deux, trois s'il y a trois, mais il y a qui va foutre en l'air complètement. Et la forme est continuée avec un trait bleu, c'est trait des maçons, c'est qui font avec une corde comme ça. Et ça, on peut aller voir. Moi, je vais. Non, mais il ne sera pas exposé là. Oui, là. Si, il sera exposé là. Ah, bah oui. On en était là. Oui, d'accord. Oui, vous l'exposez. Ah, t'es français ? Oui. Avec quoi ? Avec une visseuse là, juste qui. On va venir. Oui. Alors, à quel point ce serait? C'est trop, hein. Il faut juste que je donne un coup de sur le. Elle est trop enfoncée. Bon. Il faut remettre le bon endroit. En fait, c'est par là. C'est à droite, par là. Tu fais très viril, là. Et qu'elle soit un petit peu plus de travers, oui. Ce qu'il faudrait faire, c'est donner une pince pour juste la pince. Parce qu'en fait, ça va être le châssis. Comment ? Ça va être le châssis. Non, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre et... On peut imaginer que cet angle était... appliqué au mur, un mur plan, sans coin. Et puis on a fait la perpendiculaire, on a replié le mur et il y a l'emplacement de du reste du carré. Oui, c'est, en fin de compte, j'explique très mal, c'est un carré qui a été dessiné sur le mur avec un angle de poutre et un angle de fil bleu, le fil bleu des constructeurs de maisons, et puis on a replié le mur après, et là on verra le fil bleu. Je vais vous montrer
Voilà. Et voilà le fil bleu qu'on est en train d'installer ça, et il y aura ça qui est le, on peut imaginer le reste du carré quand le mur était plein. Et alors là, s'il y a quelques personnes coréennes qui voient ça, ils auront l'explication là. C'est du coréen. D'accord. Oui, oui. Pourquoi? Parce que vous... Ben, parce que c'était une expo qui était en Allemagne et en Corée. Encore et encore. D'accord. C'est que j'ai que ça, il est très fin. Ben, que ça quelquefois non, mais là, dans ce cas-là, oui. Ah oui, oui. C'est important d'être son premier supporter. Mais oui, c'est le plus délicat, le plus... Je ne me rappelais pas que c'était aussi chiant. Hein. Oui, c'est très difficile. Merci. Alors, pas de ça.
Voilà, si tu peux passer. Non, faut que tu ailles plus loin. Voilà. Parce qu'on a changé le tissu de la réserve entièrement. Catherine, tout ça, mais il faut le faire. C'est moche. Ça? Ah ouais, c'est super moche. Voilà. Et par contre, une table, et tu la mets où la table? Je suis ravie de t'entendre. Ah, on va faire des.